première mi-temps avec quand même pas mal d'opportunités. En deuxième mi-temps, ça a été dur. Vous êtes aussi tombé sur une équipe de Metz très défensive. Ouais, c'est une équipe défensive solide, on l'a vu. Et voilà, en première mi-temps, on a manqué de justesse dans la dernière passe. Et voilà, on l'a vu. Après, voilà, il y a ce penalty et ce contre à la fin. C'est dommage parce qu'on était plutôt bien en première mi-temps. Et voilà, pour la. Bon, ça remet rien en question. Mais en tout cas, c'est dommage pour. Voilà, pour avant les vacances, on avait trois matchs, on voulait faire trois bons résultats. C'est dommage, on a gâché le premier joker. Après, il ne faut pas tout oublier, vous étiez quand même sur une dynamique quand même qui était impressionnante. 5 victoires en 6 matchs. Après, c'est une petite déception, mais reste encore des matchs. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Mais le problème, c'est qu'on avait. On savait que c'était un match piège et le problème, voilà, on avait assez d'expérience, on le sentait et on est tombé dans le panneau. Après, voilà, il y a des équipes en face aussi. Des fois, on manque un peu de réussite, eux, ils en ont un peu plus que nous et c'est ça le football. Je voulais faire un petit mot aussi à tous les consultants et techniciens de téléfoot. Je les soutiens. Merci Andy. Avec plaisir. Merci.